Le Napoli doit continuer dans la voie qu'il a tracée la semaine dernière à la Lazio. Une victoire 2-1 pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Le premier match à San Paolo est une vraie affiche face au Milan AC de Gennaro Gattuso et de Gonzalo Higuain qui affrontent ses anciens partenaires. Et le ballon écarté par Hamsik sur le côté. Le centre de Mario Rui au deuxième poteau. Caglieron qui remet avec la première frappe signée Alan. Et la première parade pour Donnarumma. Sousso, la bonne passe peut-être dans la tête. Superbe but en bicyclette sur la remise de Borrelli. C'est Bonaventura, la bicyclette pour tromper Davide Ospina qui ne faisait plus rien depuis 10 minutes. Le Milan AC ouvre le score à San Paolo, 1-0. C'est un but un peu à la napolitaine hein, d'ailleurs, avec ce jeu à 3. C'est bien parti de Sousso. Et derrière, il y a eu le bon appel de Borrelli et la remise très intelligente pour Bonaventura. Un problème de marquage, Albiol qui arrive mais trop tard. Bien en ligne. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Alan. Alan avec Caglieron qui va frapper. Il faut de toute façon hein, des décisions rapides. On va redonner un petit peu d'air à tout ça avec Mario Rui qui se rue à l'attaque. Lorenzo Insigne sur le côté gauche. Il n'a pas réussi à passer. Hein, Insigne, là c'est sa passe qui est passée pour Milik. Milik sur le pied gauche. La frappe qui est directement sur Donnarumma. Voilà l'action la plus importante, sans doute la plus dangereuse du Napoli dans cette première période. Lucas Biglia, la transversale parfaite vers Sousso, le petit relais maintenant avec le but inscrit par Calabria au terme d'une action collective absolument splendide. Le Milan mène 2-0 sur le terrain de Naples. Patrick Cotronet notamment s'échauffer. Et attention à la réplique du Napoli avec la frappe et le but derrière signé Zielinski. Il y a eu pour la première fois sans doute une erreur dans la défense du Milan. Les joueurs du Napoli qui ont attaqué en nombre, ils étaient 4 hein, aux abords de la surface de réparation. Et la petite fin de corde d'abord et la fin de croisée. N'y parvient pas vraiment, sauf en passant sur les extérieurs, peut-être avec Caglieron. Caglieron, le petit centre en retrait, il est bon avec Zielinski qui s'est appliqué. Mais le tir qui va passer à côté. C'est parti, c'est au point de pénalty, c'est repoussé par Bakayoko. Oh, directement sur... Encore une fois... Piotr Zielinski du pied droit cette fois-ci qui fait exploser San Paolo pour l'égalisation. Diawara ouais, qui va lancer, ça c'est bien joué. Alan, le centre d'Alan et Mertens qui va marquer le troisième but. Le superbe mouvement collectif des Napolitains. 80e minute, le compteur débloqué pour Dries Mertens. Et le Napoli qui mène 3-2. Retournement complet de situation comme la semaine dernière à Rome face à la Lazio. C'est une équipe qui ne lâche jamais. Et là, tout est venu d'Alan. Hein. C'est vraiment lui le grand bonhomme de cette action. Il a fait un petit pont juste avant. Et là, c'est lui qui... offre le décalage, la superbe passe de Diawara d'un extérieur du pied, le centre deuxième poteau, Idriss Mertens complètement oublié par la défense du Milan. Avec Caglieron, il saille encore une fois avec Diawara, tout ça c'est bien joué, collectivement c'est parfait. Arkadiusz Milik qui va ouvrir sur le côté gauche de Lorenzo Insigne avec le dédoublement de Mertens qui est servi. Mertens avec Insigne, c'était parfait, c'était somptueux et non moins somptueuse est la parade de Gigi Donnarumma sur cette touche avec Gattuso qui a donné le ballon très vite à ses joueurs. Ouais, il y aura un grand dégagement. On va rester là sans doute avec le coup de sifflet
de Paolo Valeri, l'arbitre de cette rencontre, et la victoire au bout du suspense pour Carlo Ancelotti et le Napoli. Le Milan qui menait 2-0 en début de seconde période s'est fait rattraper, s'est fait rejoindre et s'est fait dépasser, un doublé de Zielinski. Et puis le but salvateur derrière pour le Napoli qui remporte une deuxième victoire en deux matchs et qui rejoint la Juve en tête du classement.